Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Au thème de son audition qui a duré 3 jours, l'accusé CC Raphaël Habar, qui estime être renvoyé devant le tribunal criminel et Dixim pour des faits qu'il n'a pas commis, a demandé au juge Ibrahima Sori de Toukara de lui raccorder une remise en liberté. C'est après avoir passé 13 ans de détention préventive à la maison centrale de Conakry. Cette demande, soutenue par certains avocats de la défense, a finalement été rejetée par le tribunal. L'ex-garde du corps du commandant Aboubakar Diakité Ditoumba va devoir encore patienter avant de connaître son sort. Monsieur le Président, je vous demande de me libérer afin de rentrer avec mon avocat. Je n'ai rien fait, à plaider à la barre si c'est Raphaël Habar. Pour le ministère public, cette demande de mise en liberté sollicitée par CC Raphaël Habar est inopportune et en se fondant sur les dispositions de l'article 235 du Code des procédures pénales, le parquet s'est opposé à cette demande car soutient-il, outre la gravité des faits retenus contre l'accusé et le manque d'une garantie de représentativité, la mise en liberté de l'accusé pourrait créer un trouble à l'ordre public, mais aussi sa propre sécurité pourrait être en jeu. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à la chaîne, partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.